il faut avoir de l'argent pour bien tourner. 6 milliards, 8 milliards. Maintenant, le journaliste qui a posté ça, si on portait plainte contre lui, les gens allaient pour lui, pardon, monsieur le ministre, c'est vous êtes le cousin, vous c'est le cousin à ma femme. Je pense que les Guinéens devaient plutôt féliciter les membres du COCAN 2025. Parce qu'au moins, on a commencé à poser des actes. Au moins, on a un siège. Équipé sur tous les plans. Au moins, on a effectué des missions à travers le pays. On a déplacé des jets pour envoyer nos gens. Parce que les avions, les groupes, les routes, vous connaissez, on a eu des missions qui ont fait toutes les grandes préfectures retenues de la compétition. Les documents administratifs pour ces domaines, nous avons ces documents. Zéro Corée, nous avons des documents pour Lola parce que nous allons faire un village à Lola. Nous avons des documents à Yomou parce que nous allons faire un village à Yomou. Ça, c'est un exemple à l'abbé, la même chose. Aujourd'hui, allez à la cité Chemin de Fer, le siège du COCAN, c'est le plus beau bâtiment du Conakry, n'en déplaise. Vous me reconnaissez ça. Ce qui est dommage chez nous, on ne prend que ce qui est mauvais, on ne prend pas tout ce qui est bon, juste ce qui est mauvais. On ne dit jamais, félicitations, nous vous encourageons. Mais on dit, oh, ils ont détourné de l'argent, ils ont fait ça. Le COCAN relève de la présidence de la République. Si un franc sort, ça va dans le compte de la présidence de la République. Donc, pour sortir un franc, mon frère, il faut être sûr que l'argent va là où ça doit aller. Mais le jour à venir, il y aura de l'argent. Et je rassure tous les Guinéens. Une fois de plus, ce n'est pas la première ou la deuxième fois que je le dis. Le projet COCAN, ce n'est pas pour Bantamou. C'est pour tout le peuple de Guinée. C'est un méga projet, c'est un développement à tous les niveaux. Loin des stades, il y a les routes, télécommunications, il y a la santé, il y a le transport. Alors, est-ce que les gens peuvent être pessimistes ou choses parce que c'est Bantamou qui est là? Non. Et dans nos textes, on a dit que les portes et fenêtres du comité sont grandement ouvertes. Toute personne qui sait qu'il peut apporter quelque chose à la risque de ce projet, la personne sera la bienvenue. C'est juste cette mise au point. Il n'y a pas d'argent, mais il y aura l'argent qui est toujours à venir. Mais pour le moment, aucun franc. Vous pouvez vérifier, aller au trésor, aller regarder, aucun sou n'a sorti. Ensuite, ce matin, j'entends parler de problèmes de prix, tout ça, le chat. Depuis que nous sommes à la tête de ce département, il n'y a jamais eu problème de prix. D'ailleurs, on a payé des prix qu'on ne devait pas payer à un moment donné. Regardez la Tanzanie avec la rue du Sept, en passant par l'Égypte et maintenant, nous avons toujours réussi à faire voyager nos sportifs dans les conditions les meilleures. Vérifiez. On a toujours mis la capacité, on a toujours mis des avions à la disposition de la délégation guinéenne. Les gens qui ont été en Tanzanie savent les conditions dans lesquelles ils ont été logés. Ceux qui étaient en Égypte savent les conditions dans lesquelles ils ont été logés. Et on les a ramenés dans un vol spécial. Et hier, les gens ont vu les conditions dans lesquelles l'équipe a quitté Casa. Voilà. Le fait que l'avion a perdu quelques heures, on est au problème de panne technique, le problème commence. Moi, je pense que nous devons avoir l'union sacrée autour de nos équipes. Quand nos équipes sortent pour défendre le rouge, jaune et vert, c'est toute la Guinée. C'est l'union sacrée, journalistes, tout le monde autour, encadreurs, supporters, c'est ça qui peut donner le courage à l'équipe d'aller tout en se disant que si je fais une erreur, il y a des gens derrière nous. Certains même parlent du budget, du char. Ils ne parlent pas, est-ce que les conditions se remettent, est-ce que comment ils sont logés et tout ça. Les gens même cherchent à ménager Antonio et Bantama. Le courant passe très bien, je vous le dis, très très bien entre Bantama et Antonio. Les chercheurs de 1 million, 2 millions,
on t'a laissé comme ça. C'est l'intérêt de la Guinée, l'intérêt de la Guinée est au-dessus de l'Antonio et au-dessus de l'Antonio. Donc, une fois de plus, les cadres du ministère et le cabinet, je l'ai dit que vous, les cadres, vous avez dédié votre vie dans ce domaine. Les ministres qui viennent, ils viennent pour vous booster, ils viennent pour vous accompagner, ils viennent pour vous booster. Donc, faites tout pour que quand le ministre vient, il ne dort pas, qu'il travaille, qu'il pose des actes. Pour que le jour qu'il quitte, que celui qui vient, il commence là où il s'est arrêté. Et en l'empêchant de travailler, vous empêchez tout un système, vous empêchez tout un département. Mais honnêtement, depuis que moi je suis là, je suis fier de vous. Chaque fois qu'il y a les grands rassemblements, quand je me présente à la présentation d'un livre, ou je vais dans un concert, ou je me présente la dernière fois lors de l'investiture du président, j'étais fier d'être le ministre de la Culture. Parce que l'ensemble instrumental a fièrement représenté la Guinée devant toutes les délégations qui sont venues du monde entier. Ça, c'est grâce à vous tous, grâce à la complicité du cabinet. Parce que là aussi, je n'ai pas dit. Les gens font tout pour. Non, il n'y a pas deux équipes pour nous en charge de la culture. Et il n'y en aura pas, tant que je serai là. Et je tiens aux gens qui écrivent là, départ, pas départ du gouvernement. Bantama quitte, il ira ailleurs. S'il n'a pas de place, il viendra à côté du président. Donc cela m'amène à féliciter cette organisation qui a pensé à reconnaître la conviction. Parce qu'en Guinée, il n'y a plus de conviction. Les gens se positionnent en fonction de leurs intérêts. Et je n'ai jamais parlé de moi, je n'ai pas parlé de moi, je préfère que les gens en parlent. Au contraire, Bantama devait être un exemple pour la jeunesse guinéenne dans la conviction. Moi, je suis membre fondateur de l'RPG. Du lycée, j'étais militant clandestin qui a réparti des tracts pour la Fakone. À l'université, quand j'étais en première année, j'étais le président du Conseil supérieur des sports et de la culture de l'université de Kaka. Avant d'être président du mouvement étudiant, demandez tous les étudiants qui ont passé à mon temps, ils te diront que Bantama est une fierté de l'université. Parce que je me suis battu corps et âme pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. D'ailleurs, en ce moment, les gens ne voulaient pas partir à quelqu'un, dès qu'on voulait avoir quelqu'un, ils disaient non. J'ai été radié de toutes les universités guinéennes. Je suis venu à Bijan. Je suis venu aux États-Unis, j'ai fréquenté Washington Community College avant de revenir en 2010 pour occuper le poste de ministre de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune. Ensuite, le président m'a envoyé pour fréquenter l'université la plus prestigieuse du monde, Harvard. J'ai pris des cours pour me permettre de pouvoir gérer. Mais je vais vous dévoiler un voile, un point du secret du RPG. C'est ce qui me lie au président. Ils m'ont donné l'occasion d'en parler parce qu'aujourd'hui, c'est présenter les vœux. Mais nous sommes à un moment où chacun veut avoir chacun pour ses intérêts. Je ne suis pas un allié, je ne suis pas un opportuniste, je suis membre fondateur du RPG.